Fidelman. Par exemple, Fidelman, l'homme qui ne trompe jamais sa meuf. Alors lui, ce serait un vrai super-héros, sauf que contrairement aux autres héros, son but à lui, ce serait de ne pas avoir d'aventure. Il ne triompherait pas du mâle, mais de la femelle. Et attention, attention, parce que ça ferait quand même de superbes histoires. Fidelman est dans une situation désespérée. Il est en soirée, une blondasse chaude du cul vient lui parler, et sa meuf n'est même pas là. Et Fidelman s'appelle à ses pouvoirs et finit par la repousser. Non, Laring, mon cœur est déjà pris par la plus belle femme du monde. Une fois de plus, Fidelman triomphe. Mais non, non, il se retourne et découvre alors son pire ennemi. Elle est là, qui danse sur un podium, dans son uniforme de super-héros. Jean Steinbass est réapparente. C'est le pire ennemi de Fidelman. C'est bien sûr Nymphoman. Fidelman tente de repousser vaillamment ses assauts, mais Nymphoman a des pouvoirs redoutables. Elle l'hypnotise grâce à son soutien-gorge pigeonnant à bretelles transparentes. Et elle lui joue du string pour l'endormir. Oh là 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 là, cette fois Fidelman est dans une mauvaise posture. Nymphoman se frotte lui, en trouve délicatement ses lèvres dégoulinantes de gloss bon marché, et dans un élan lui fait subir le supplice de la pole dance. Fidelman fait appel au pouvoir de